What les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Wesh, c'est incroyable. C'est quoi ce hangar? Je pensais pas que ça existait. Ok les gars, on est parti pour ce tout premier mid les amis. Vous allez voir, c'est exceptionnel, il y a que des pépites dans cette vidéo. Alors normalement, j'espère dans ce coffre avoir un truc là qui fout le feu. Attention, est-ce que j'en ai un? Non. Bon c'est pas grave, il faut que j'en trouve un, allez. Ok, attention, peut-être dans celle-ci. Et... toujours pas. J'ai la haine. Troisième essai, est-ce qu'il y en a là-dedans? Toujours pas, let's go. Quatrième essai. Toujours pas, let's go. Cinquième essai. Oui, c'est bon, j'en ai un, let's go. Chalumeau de réparation, oh my god. Ça fait 20 minutes que je suis en train d'en chercher un, c'est ouf. Du coup, tout ça pour un mythe qui va être hyper court en plus, je vous explique. En fait, comme vous pouvez voir, vous avez 200 de recharge sur tout simplement un chalumeau. Donc comme j'ai expliqué sur la dernière vidéo, regardez, vous pouvez réparer tout simplement des murs, voilà, avec un chalumeau, ça les répare, voilà, tout simplement. Donc là, on va bien l'user, le faire descendre. Et en fait, comme vous pouvez le voir là, le temps que j'aille jusqu'à la station essence, bah ça descend encore un petit peu la vie. Je vais attendre de le descendre à 100 points de vie à peu près, voilà. Donc même, on est descendu à 90. Et en fait les gars, est-ce que vous saviez, oui ou non, que tout simplement une station essence on peut recharger le chalumeau de réparation? Là je reste appuyé sur E, ça le recharge, encore. Et hop, on va le monter à 200. C'est un truc de fou, voilà, juste petit tips, voilà, mythe confirmé. On peut recharger des chalumeaux dans une station essence. Je remercie toutes les personnes qui y a sur cette liste. Ce sont les personnes qui se sont abonnées suite à la vidéo d'hier. Si jamais tu vas apparaître dans la vidéo de demain, ça te prend 2 secondes, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner avec la cloche des notifs et tu auras des chances de passer dans la vidéo de demain. Let's go les refs, je suis devenu propriétaire d'un tank et on va passer au deuxième mythe. Et j'ai défoncé une voiture. Ah, casse-toi la voiture, casse-toi. Voilà, je préfère. Hop là, la voiture verte aussi, ça dégage. Merci bien. Bon, maintenant faut qu'on trouve un feu de camp et vous allez voir, c'est un truc de fou de ce que je vais vous montrer. Je ne le savais pas et c'est extraordinaire. Attends, je suis en train de rouler et là je viens de croiser un truc pour faire un tremplin, tu vois. Et la question que je me pose là tout de suite, on va rajouter un mythe dans un mythe, c'est est-ce que tu peux prendre un tremplin avec un tank ou alors est-ce qu'il va se détruire? Quand normalement, regarde, tac, ça détruit tout son passage, donc est-ce que ça va fonctionner ou pas? Attention, let's go. Bah non, ça l'a détruit. Ouf. Ok, on en vient au fameux moment. Donc comme vous pouvez voir, mon tank a actuellement 2500 sur 2500 points de vie. Donc je vais d'abord le casser un petit peu pour lui mettre quelques dégâts et qu'il ait quelques petites éraflures, hein, le petit tank, parce qu'il n'a rien, il est en trop bon état pour ce petit test. Alors là il commence déjà à affaiblir un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, nickel. Donc là j'ai le choix entre soit le réparer en appuyant sur F, soit continuer à le conduire, l'avancer. Là vous allez voir ce qui va se passer. Faut que je fasse gaffe à ne pas casser le feu de camp, mais normalement quand on a eu un feu de camp à côté du tank, ça devrait le réparer. J'y crois pas une seule seconde. Vous, ça se trouve, vous êtes là en mode mais Brice, je sais, ça existe déjà, là je savais, mais moi je sais pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas. Donc là, 1760 points de vie. Attention, j'aime le feu de camp et oh là là, ça le répare. Oh mais ça le répare, c'est incroyable ce qui se passe là. Mais non, c'est incroyable. Attends, mais ça, du coup, ça va le faire jusqu'à combien de temps? Du coup, si je le répare en même temps, ça fait combien? Oh là là, let's go, il est en bon état, yes, il est en train de récupérer plein de points de vie. Par contre, ça donne du 20 par 20, c'est pas énorme quand même, hein. Après c'est un véhicule, donc c'est normal. Et là je pense qu'avant la fin du camp, seulement il va être de nouveau full, hein. Ah bah non, malheureusement non. Attends, ça coûte 200 de bois, pas de soucis frérot. Hop, et voilà, on va le rallumer le feu de camp. Je veux que mon tank reparte et ravive 2000 feux. Hop là, plus que 100 points de vie. Et du coup, c'est bon, il est tout simplement à 2500 points de vie. Ça fait extrêmement plaisir et je peux repartir tranquillement les gars. Ça tue de fou. Prochain mythe les amis, c'est extrêmement simple. Est-ce que le tank peut flotter dans l'eau? Est-ce que le tank il va flotter ou est-ce qu'il va couler? Mais je sais pas, on peut pas savoir. Moi pour moi, peut-être qu'il va flotter. Regardez, il y a des petits trucs au niveau des roues, ça peut peut-être flotter. Si vous avez essayé, attention, on y va, c'est parti. Et... attendez, mais il flotte là? Il flotte de fou? Attends, quoique... je sais pas en fait. Non, ouais non, il coule. Ouais non, là il coule. Ah ouais non, là il coule de ouf, hein. Là il coule de ouf. Par contre il continue quand même à avancer. Tu peux me mettre un petit boost et tu vas à 40 km/h dans l'eau. Franchement c'est pas mal. Mais bon ouais, ah oui non. Oula, oula. Ah bah là c'est mort, hein. Attendez, est-ce que je pourrais rentrer dedans ou pas? Non, mon tank! Comment je suis censé faire pour rentrer dedans? Non, je peux même pas aller sur la place pour... oh ouais, non, là les gars, le tank il est mort. Il est dead de chez dead, le tank, malheureusement. Bon, et eh bien écoutez, n'allez jamais dans les eaux profondes avec votre tank, vous risquez de le perdre définitivement. Viens par là, le pigeon là-bas qui est violet! Ok les refs, alors nouveau mythe qui dit que tout simplement, quand quelqu'un est en box, donc a fait une box tout simplement à l'intérieur, donc il est complètement enfermé, donc là je simule bien évidemment. On va attendre que tout se finisse bien. Ce que je vais faire même, c'est que je vais regarder, je vais faire le wall en ferraille, comme ça, ça va vous prouver quand même que ça peut bien fonctionner, je pense. Voilà, donc là en l'occurrence on va mettre le petit wall en métal, on va attendre qu'il finisse de se construire. Mais le mythe c'est que tout simplement, est-ce que si jamais on lance un chasse-pierre sur un mur, ça le casse instantanément? C'est à dire que du coup tu peux rentrer instantanément dans la box de ton ennemi et lui il ne pourra pas reposer de mur par la suite, parce que du coup il y aura le chasse-pierre qui sera posé, donc normalement il ne pourra pas reposer de mur. Attention, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là le mur a fini de se construire, il reste voilà 4 HP, voilà c'est bon. Attention, on va le lancer, est-ce que ça le détruit? Oui, ça le détruit, putain, stylé. Et du coup regardez, il ne peut pas reposer poser le mur juste après. Du coup tu peux tout simplement l'attaquer en suivant et le bloquer. Donc ça c'est vraiment très très cool, ça peut être un anti... Pour l'instant il n'y a pas les constructions, mais par exemple pour le mode arrête ça peut être super utile. Ou encore bah quand les constructions reviendront et qu'il y aura uniquement le mode sans construction qui reviendra. Dans le solo il y aura de nouveau les constructions, donc ça peut vous être utile pour la suite et le futur. Coucou, encore une petite interruption pour te dire que si jamais tu habites à côté de Montpellier ou à Montpellier, clique sur le lien dans la description. Écris Montpellier 2 points avec un lien. Si tu veux me rencontrer avec Overtake et Théo, c'est le moment, c'est ce week-end. Donc clique dans la description. Ok les refs, donc bienvenue sur le petit glitch XP du jour. Vous allez voir il est hyper simple et je pense que vous n'avez jamais vu un glitch XP aussi rapide de toute votre life les gars. Donc pour commencer vous allez rentrer le code qu'il y a à l'écran sur votre Fortnite hein. C'est vraiment pas compliqué les gars, enfin, vous n'êtes pas teubés quand même, vous rentrez, vous savez dans l'île, code de l'île, tout ça. Et une fois que c'est fait vous allez atterrir sur cette belle petite carte, voilà, elle est magnifique. Juste avant de commencer vous allez simplement appuyer sur le bouton souvenir créateur qu'il y a juste ici. Et dedans vous allez écrire le code Brice B-R-I-C-E et cliquez sur accepter. Voilà, vous pouvez l'écrire en majuscule, en minuscule, c'est pareil. Juste vous cliquez sur accepter et c'est bon. Une fois que c'est fait les refs, c'est très simple ce qui va se passer. Vous allez aller, vous voyez donc, dans cette grande pièce tout au fond au niveau de la petite cabine pour changer juste là. Et comme vous pouvez le voir actuellement je suis niveau 13 avec 34 242 XP. Et là du coup juste derrière la cabine à essayage vous allez voir un bouton contre le mur où il y a écrit Earn XP. Donc vous allez appuyer dessus. Et là tout simplement regardez, vous allez commencer à gagner 2000, alors c'est plus 1000, 2000, je sais pas, bref ça fait gagner énormément, ça fait gagner tellement vite, what the fuck. Ok donc là ça s'est arrêté je crois, voilà c'est ça. Donc là une fois que ça s'arrête c'est très simple, vous allez faire arrêter le jeu et vous allez relancer. Donc là en l'occurrence j'ai relancé le jeu et je vais retourner encore une fois au fond. Donc du coup on retourne encore une fois au fond de la petite pièce. Et comme vous pouvez voir, hop je rappuie sur le bouton Earn XP juste ici. Et là regardez je recommence à gagner de l'XP. Donc du coup là c'est un glitch qui est malheureusement pas AFK comme vous le voyez. Mais vous pouvez quand même le faire si jamais vous voulez regarder 2000 XP toutes les secondes les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus, enfin genre... C'est bon quoi. Bref, le petit code est sur la vidéo juste avant. N'hésitez surtout pas à le faire. Faites-le que ce soit patch parce que je pense que ça va être vite patch. Comme tous les glitch XP en ce moment, ça c'est patch à une vitesse les gars, vous vous en rendez même pas compte. Donc faites-le vite. Ok les refs, donc tout simplement pour ce dernier mythe, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à aller dans tout simplement le hangar secret du Klombo sur Fortnite. Et vous pouvez voir que tout simplement, il a un endroit spécifique ou quoi. Non mais non, non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi là ce que je vous dis, ok. En vérité, c'est un concept du coup d'un américain qui a fait une animation où le Klombo pourrait être tout simplement dans un hangar caché. Du coup en test par des scientifiques et du coup c'est pour ça qu'il est en voie d'extinction. Du coup il en resterait plus qu'un dans la carte et comme vous pouvez voir je crois que c'est au-dessus de Rocky Ridge je crois sur la carte en haut à droite si je dis pas de bêtises. C'est hyper stylé de voir le Klombo dans cet espace là, ça fait vraiment trop bizarre, on dirait vous avez une expérience un petit peu chelou quoi. En tout cas voilà j'ai trouvé ça hyper sympa à vous montrer parce que c'est hyper réaliste et ça pourrait arriver dans le jeu, ça serait vraiment hyper stylé que ça arrive. Let's go Fortnite, faites-nous des trucs comme ça, je veux avoir ça sur Fortnite d'accord. Bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait les amis. On se donne rendez-vous demain pour ceux qui seront à Montpellier avec moi, Overtake et Théo. Sinon pour les autres c'est également à demain parce que demain il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mettez le code créateur Brice dans la boutique. C'était Brice. Ciao les potes.